J'espère que ça va bien. Donc, on est samedi aujourd'hui. Là, il est rendu comme 10h15. Je viens de me lever, donc c'est pour ça qu'il n'y a absolument rien de cute dans ma face en ce moment. Ouais, j'avais mis mon cadran à 8h parce que j'étais supposée aller au gym à 9. Mais finalement, genre, elle m'a texté, puis elle m'a dit. Elle m'a texté à 2h du matin, puis elle m'a dit. Je vais pas au gym à 9h, on va y aller plus tard parce que j'ai trop fatigué. Bon, fait que là, finalement, je me suis dit, ben c'est correct, je vais en profiter pour dormir un peu. J'ai commencé à faire le truc de mettre des cuillères dans le congélateur pour mettre en dessous de mes yeux le matin. Parce que je sais pas si c'est parce que je suis trop fatiguée là, ou que je dors mal. Pourtant, genre, pour vrai, ces temps-ci, je dors juste vraiment bien, là. J'ai vraiment des huge poches en dessous des yeux, ok? Fait que là, je sais. Pas que ça marche particulièrement, mais ça fait vraiment du bien le matin de se mettre un truc vraiment froid là, en dessous des yeux, là. J'ai toujours les yeux un petit peu enflés le matin, fait que ça fait du bien de comme juste t'époffer. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis vraiment due pour me recommencer à mettre de l'auto-bronzant, là. Ça a juste pas de bon sens. Travail ce soir, ça fait pas vraiment mon affaire d'aller au gym plus tard, par exemple, parce que j'avais comme toute planifiée ma journée. J'allais au gym, après ça j'allais faire l'épicerie, puis après ça, genre, je faisais des devoirs. Mais là, ça a fait du bien de dormir. Ça a fait du bien parce que j'ai vraiment une grosse fin de session. Genre, ça commence cette semaine, puis il reste 3 semaines. J'ai fait des achats chez Winners hier. J'ai mis ça sur mon lit parce que je voulais en faire un Snapchat. Pas un Snapchat, une photo pour Instagram. Fait que je vais vous montrer ça en même temps. Mais ouais, en fait, j'ai décidé que je commençais à aller au gym, puis m'acheter du petit linge cute. Je suis comme pognée. M'acheter du petit linge cute, genre pour m'entraîner, ça va juste être comme ma motivation. Je suis allée genre au Carrefour hier, mais je pensais aller à Urban Planet, il y avait comme 40%, puis finalement, le linge de sport, j'étais comme pas vraiment sûre, là. J'étais pas sûre de la qualité. Surtout pour les pantalons, là, parce que ça me tente pas de courir, genre, puis que mes pantalons, ils tombent, là. Non. Fait que j'étais allée au Winners, puis sérieusement, le Winners, c'est vraiment rendu genre mon magasin préf, là. Je veux plus jamais magasiner ailleurs, c'est trop parfait. J'ai trouvé plein de trucs, puis pour vrai, c'est parce que je suis juste trop pauvre, parce que j'aurais acheté genre beaucoup, beaucoup trop de choses. Tu sais, c'est pas nécessairement comme pas cher, parce que c'est quand même des trucs de marque, sauf qu'ils sont vraiment moins chers que qu'est-ce qu'ils valent, tu sais. Hey, sérieusement, j'ai l'air d'un fantôme, ok? C'est pas drôle. Ouais, fait que j'ai décidé que je recommençais à aller au gym. J'en avais parlé, en fait, j'en parle depuis tellement longtemps, mais j'ai décidé que c'est là que ça se faisait. Puis je suis motivée, fait que je vais en profiter pendant que je suis motivée. J'ai créé un groupe Facebook avec mes amis du cinéma, genre avec tous ceux qui vont au gym, genre pour qu'on puisse comme tous s'entraîner ensemble. Fait que c'est ça. Je m'entraîne pour me remettre en forme parce que j'ai déjà eu une shape, puis là je l'ai juste vraiment plus. Puis ouais, je suis due pour faire ma repousse aussi, mais bon. Financièrement, c'est pas ma priorité en ce moment. Fait que je vais vous montrer le linge que j'ai acheté. Fait que j'ai été quand même sage, là, parce que pour vrai, j'aurais vraiment dépensé, ok? Ça, c'est un petit bonus. Elle est genre juste trop belle, ok? La tasse. Pour vrai, là, elle était juste 5$ en plus. Fait que je pouvais pas comme ne pas l'acheter. Puis les tasses, on en a jamais assez. Fait que je me suis acheté une paire de pantalons. Pour vrai, là, je les aime tellement. Le tissu, il est juste comme parfait. C'est les seuls qui étaient quand même beaux, là. Le motif, genre, il fitera pas avec toutes. Mais bon, en fait, on s'en fout, là. Je m'en vais juste au gym. Je me suis acheté une petite camisole de même parce que je la trouvais juste vraiment trop belle. Elle était comme 6$, 5$. Puis en arrière, elle est comme ouverte dans le dos. Puis pour vrai, elle me faisait vraiment bien. Fait que, genre, je pouvais pas ne pas l'acheter. Ça, c'est mon gros coup de cœur, OK? Il est juste trop confortable. Il était 40$, ok, puis pour vrai, c'est cher là, pour moi, mais genre, je pouvais pas ne pas l'acheter parce que lui aussi, genre, il me faisait juste vraiment trop bien, ok. C'est un puma, puis il est juste vraiment, vraiment trop beau, genre, je capote. Enfin, c'est ça, puis je suis allée aussi au Sirens parce qu'au Carrefour, genre, le Sirens, il a rouvert. Là, il avait fermé, là, c'était le Blue Note, puis là, c'est redevenu le Sirens. Mais je suis contente parce que le Sirens, genre, j'aimais vraiment ça. J'avais plus de leggings. C'est toujours là que j'achetais mes leggings. Fait que voilà. Juste une petite paire de leggings comme ça. J'aimais ça parce qu'il y avait un petit zip. En fait, des leggings, là, j'en ai 1 million. C'est juste que j'ai peur tout le temps. Puis ils finissent par
troués, puis comme ils s'agrandissent, fait que genre ils me font plus. Genre vraiment trop beau dehors. Moi j'ai décidé que j'allais faire l'épicerie avec mes jogging de l'université. Comme ça j'ai l'air d'une fille qui mange puis qui s'instruit. J'ai trop de livres. Je m'étais pris des livres pour mon cours de mon cours d'histoire de la traduction. Oh, excusez. Parce que je pensais avoir trouvé un bon sujet. Finalement, la prof m'a dit qu'elle voulait pas que je prenne ce sujet-là. Fait que j'avais passé genre 2 heures à la bibliothèque pour changer ça pour absolument rien. Fait que je vais aller à l'épicerie. Ouais, c'est parce que en fait, là. Oups, excusez. Je suis nulle, ok, pour savoir genre qu'est-ce qui est bon de manger quand on s'entraîne. Parce que je vous avoue que quand je m'entraînais, genre au cégep, je mangeais un peu n'importe quoi. Mais tu sais, genre, je sais qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, là. Tu sais, je suis pas attardée, là. Mais tu sais, je sais pas genre quand que c'est bon de manger quoi, genre, fait que je vais essayer de voir tant qu'à aller porter mes livres si je peux pas trouver genre. Hey, je m'excuse, ok, j'arrête pas de dire genre. Puis quelqu'un m'a fait remarquer l'autre fois, puis ça m'a troublée, genre. Ça m'a troublée. Je réécoutais mon vidéo, puis j'étais comme. Ça aussi, comme je dis ça. Et j'étais. Je réécoutais mon vidéo, puis je me suis juste dit que c'était abusif. Voilà. Fait qu'allons à l'épicerie et à la bibliothèque. Finalement, la bibliothèque était fermée. Fuck, oh, la petite mamie est full cute avec son petit papy. Finalement, la mamie et le papy attendaient que je me tasse pour pouvoir ouvrir leur porte d'auto. Bref, ouais, la bibliothèque était fermée, genre, parce qu'ils font des travaux, fait que là, j'ai écouté mon instinct, puis j'ai acheté des bonnes choses à manger. Puis, je suis allée au Provigo, genre, au Jacques-Cartier, parce que j'aime vraiment ça aller là, mais genre, la viande, il y avait vraiment rien, là, pour vrai. Ah, oh, calme-toi, je décolle, calme tes nerfs. Genre, la viande, il n'y avait vraiment rien, puis elle était comme vraiment chère. Fait que là, je vais aller au IGA, genre à côté de chez nous, parce que je trouve que c'est là que, genre, c'est le moins cher, puis que, ben, pas le moins cher, mais, tu sais, la viande est quand même de bonne qualité, puis tout ça. Fait que je vais me rendre là. Donc, j'ai défait l'épicerie et tout ça, puis là, je me rends compte que j'avais laissé du thé dans mon sac hier. Et puis, la tasse, elle a coulé. Fait que dans le fond, là, mon agenda, il est comme tout trempe. Mon sac aussi, fait que je le laisse sécher. Je suis allée faire un petit tour au Pharmaprix. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Donc, vous voyez que j'ai vraiment gâché quelques pages de mon agenda. Donc, voilà. Le sac est vraiment cute en passant, là. Puis, j'ai vu aussi Félicia, qui travaille... Félicia de la chaîne et du blog Belle et Féminine, que j'aime beaucoup. Cette fille-là est vraiment cool, pour vrai, là. Elle est vraiment dynamique, puis j'apprécie beaucoup sa personnalité. J'ai racheté mes lingettes parce que là, dans le fond, là, j'utilisais ces lingettes-là de Pampers, oui. J'utilise des lingettes pour bébé pour me démaquiller, au cas où vous le sauriez pas. Puis ceux-là, il m'en reste pas beaucoup. Puis c'était ceux-là que j'avais vraiment aimé plus durant l'été. Fait que c'est ceux-là que j'ai racheté. J'ai acheté aussi le Roll-On de Pure Essentiel. Puis là, genre, je vous promets, ok, genre, j'ai pas tant d'argent, là. Je fais quand même attention à mon argent, mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas rien acheté, là. Lui, il était 9,99. Dans le fond, c'est... J'arrive comme pas à faire le focus, là. Dans le fond, c'est une genre de bille que tu t'appliques comme dans les... voyons, c'est comment ça s'appelle, ça? Ils disent... Sur les poignets, ouais, c'est ça. À l'intérieur des poignets, sur les tempes, tout ça, ça aide à réduire le stress. Ça va être bon pour moi, ça. Puis j'ai acheté l'autobronzant en brume de Bioderma. Donc la brume autobronzante... hydratante, donc il paraît que c'est vraiment bon. Alex Fashion Beauty, on en a parlé souvent, donc voilà. Parce que là, j'étais vraiment due pour m'acheter de l'autobronzant, puis ça, je le garde proche. Parce que c'est toujours quand je fais mes devoirs que je suis stressée. Il me reste quand même du temps avant d'aller rejoindre Amé au gym. Mais je suis fatiguée déjà, j'ai goût d'aller faire dodo. Je peux pas faire ça, je peux pas tout le temps aller me coucher à minute que je suis un peu fatiguée. Parce que je suis tout le temps un peu fatiguée. Je pense que le sac, je vais le garder puis je vais le réutiliser parce qu'il est vraiment beau. Aujourd'hui, je me suis pas maquillée. Je suis fière de moi. Là. J'ai juste mis un petit peu de mascara parce que sinon, j'avais l'air vraiment comme dead. Là. Comme je l'ai dit tantôt, pour vrai, j'ai juste... Je m'assois. Comme je l'ai dit tantôt, pour vrai, j'ai juste comme
too much de cernes. Puis de, tu sais, j'ai l'air d'avoir vraiment des micros yeux, là, genre ces temps-ci, je sais pas. Wow. J'ai vraiment scrappé mon agenda. J'ai vraiment beaucoup de devoirs à faire, mais demain, je suis en congé. Fait que d'après moi, je vais profiter plus de demain pour faire mes congés. J'attends toujours que Tom, il décide qu'est-ce qu'il fait avec le coin, là, genre, parce que... Il a réussi à faire marcher comme la table tournante, tout ça, mais là, c'est comme... Faut le bordel dans le coin, ça me gosse. En tout cas... ouais, j'ai comme plusieurs choses, beaucoup de choses à faire. J'ai goût de l'essayer, voir le ça, mais je me sens pas particulièrement stressée en ce moment. Je sais pas si ça sent. En fait, je suis tout le temps... Oh, c'est bien beau! Oh, c'est beau, le beau! C'est genre... dans le fond, c'est des huiles, puis c'est supposé comme rentrer dans la peau puis dans les veines, puis c'est supposé te calmer. Le packaging est trop gros pour ce qu'il y avait dedans, mais bon. Oh, ça sent bon! Alors, je suis prête à aller au gym! J'ai comme réalisé que les pantalons que j'ai achetés, là, pas avec grand-chose. Ils ne fitent pas avec mes souliers. Là, j'ai comme mis un chandail parce qu'il fait froid dehors, là, puis que je sens que je vais quand même avoir froid. Puis, c'est ça, puis ils ne fitent pas avec grand-chose. Mais ils sont tellement confortables, là, vous n'avez pas idée. Mais en tout cas, comme quand je vais avoir plus d'argent, genre, je vais m'acheter des nouveaux souliers. En fait, ils sont pas si pires, là, mes souliers. Là. C'est plus comme les pantalons que j'ai achetés qui ne fitent pas avec grand chose. Puis là, j'ai pas été capable de trouver deux bas pareils. Donc là, j'essaie de cacher mes bas, genre pour pas que personne voit que j'ai pas deux bas pareils. On s'en fout, là, on va au gym, mais bon. Je peux pas être chicks au gym, genre, sérieux. Ok. Il est 3h moins 10. Je vais rejoindre les filles à 3h. Fait que c'est parti. Ouais, c'était pas mal plus dur que je pensais. Oh boy! Là, il est rendu... Oh, mon Dieu, je me rends compte qu'il va... Je vais avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de travail à faire pour me rendre où je veux me rendre. Mais bon, à un moment donné, il faut commencer à quelque part. Gang! Là, il est rendu 5h moins 5. Je travaille à 6h. Je vais me faire une petite salade. Parce que j'ai pas tellement faim. Mais il faut que je mange. C'est important. Ça va être un autre défi, genre, pour pouvoir comme me remettre en forme. Ça va être de manger. Parce que je suis le genre de personne qui va manger un repas... Ah, là, je viens de me passer un linge d'en face, là. Okay. Je suis le genre de personne qui peut ne pas manger, genre, manger un repas dans la journée, puis j'aurai jamais faim. Puis genre, je veux toujours, comme, être correcte, mais là, il faut que je casse cette mauvaise habitude-là. Parce que si je veux maigrir, si je veux me remettre en forme, il faut que je mange des bons repas. Fait que je me suis acheté des choses... pour ça à l'épicerie tantôt, mais voilà. Fait que je vais me faire une petite salade, je vais me maquiller un petit peu parce que je vais souvent, tu sais, ça m'arrive d'aller travailler pas maquillée. Mais là, j'ai enlevé mes verres de contact, fait qu'avec mes lunettes puis ma calotte, là, je vous dis que ça fait déjà assez dur de même. Fait que aussi bien en profiter pour réduire les dégâts. Alors voici le repas des champions. J'ai vraiment renversé trop de vinaigre balsamique, mais bon. Ça va être bon, j'ai mis un petit peu de tofu aussi. Puis des radis, parce que c'est juste excellent. Puis là, je pense que je vais écouter quelque chose sur Netflix, mais je sais pas encore quoi. Écoute, je viens juste de revenir chez nous. Genre, je viens juste de m'asseoir. Il est rendu 20h. Je suis all dead. Puis genre, j'ai vraiment eu chaud, fait que ma face est toute dégueu. Il y a eu genre vraiment beaucoup de monde. Mais ça a quand même bien été. Ça a vraiment bien été, en fait. Fait que je vais me coucher parce que demain matin, avant l'église, j'aimerais peut-être avoir le courage d'aller au gym. Est-ce que ça arrivera? On verra. Mais bon, faut que je me calme aussi, là. Genre, je suis trop comme... Je vais maigrir, genre, je vais être en forme. Fait que je suis comme... Tu sais, je suis motivée. Faut pas que je perde cette motivation-là, mais faut pas que j'en fasse too much aussi, genre. Tu sais, faut que, genre, j'y aille quand même... à mon rythme, là. Tu sais, comme aujourd'hui, genre, je suis allée m'entraîner avec une de mes amies qui fait, genre, ça 5 fois par semaine. Fait que, tu sais, je pouvais pas m'attendre à être au même rythme qu'elle, mais tu sais, ça m'a quand même fait de quoi de, genre, pas être capable d'aller à son rythme. Puis je me suis juste dit, comme, un jour, genre, je vais y arriver. Fait que là, je vais me coucher parce que je suis fatiguée. Fait que, ok, là, bonne nuit, là, bye!